Jeu mobile qui a fait des ravages en nombre de téléchargements, Pokémon Go est un jeu mobile sorti le 6 juillet 2016 et développé par Niantic. Salut les Squid Racers, dans cette vidéo on va parler de Pokémon Go. Pour capturer des Pokémon, vous devrez viser et lancer la Pokéball sur ces derniers. Dans ce jeu, les Pokémon évoluent avec un système de bonbons et non de niveau. Vous devrez donc capturer plusieurs fois un même Pokémon pour le faire évoluer. Vous pouvez aussi utiliser des baies pour faciliter les captures ou gagner plus de bonbons. Tandis que pour les combats, il faudra tapoter sur l'écran de votre smartphone pour utiliser des attaques, puis une fois la jauge remplie, une attaque chargée, infligeant plus de dégâts sera utilisable. Les événements mettent en avant un Pokémon durant une journée. Lors de cet événement, le Pokémon concerné apparaîtra plus souvent que d'habitude. Profitez-en pour en capturer plein et ainsi les faire évoluer, ou encore enchaîner les captures pour espérer tomber sur sa version chromatique. Lors de l'événement, il arrive que le Pokémon en question connaisse une nouvelle attaque chargée, plutôt particulière s'il évolue. Oh shit, here we go again. Dans Pokémon Go, vous pouvez jouer avec vos amis grâce à diverses fonctions. Vous pouvez combattre ensemble dans des arènes, échanger des Pokémon et vous envoyer des cadeaux. Une barre de cœur s'affiche en haut de votre ami qui détermine les bonus que vous avez ensemble, comme par exemple infliger plus de dégâts lors d'un combat d'arène ou recevoir plus d'Honor Ball lors des raids. Hello ? Pokémon Home permet de gérer ses Pokémon en les conservant dans des boîtes, puis ensuite de les transférer dans Pokémon Épée et Bouclier, ou Pokémon Let's Go. Là où ça devient intéressant, c'est que si vous possédez des Pokémon fabuleux, légendaires ou chromatiques en double dans Pokémon Go, vous pourrez les transférer dans les jeux de la 8G, et une partie d'entre eux dans le Pokémon Let's Go. On croise les doigts pour que Pokémon Home soit compatible avec les remakes de la 4G.